Buenas tardes a todos y a todas. Agradecerle a Merié que nos acompaña por la gentileza de estar hoy con nosotros y por los aportes que seguramente nos va a realizar y darles la bienvenida a todos ustedes que están demostrando con esta presencia una apetencia, digamos, por las líneas de trabajo y de investigación del de profesor Merié. Todos sabemos que él ha estado siempre muy preocupado por la inclusión educativa y por las formas de enseñar que nos permitan justamente alcanzar cada vez mayores niveles de inclusión. Y creo que en el momento en que estamos en relación con el Consejo de Formación en Educación, con las transformaciones que estamos tratando de llevar adelante para alcanzar el nivel universitario en la práctica, buscando transformar la formación inicial, impulsando la investigación, los posgrados, las, los cambios en lo que podría ser la estructura académica. Estamos buscando una nueva formación para nuestros educadores porque somos conscientes de que hay una realidad contextual y cambios acelerados y que nos desconciertan muchas veces que están desafiando, que están hackeando de alguna manera la educación y que están reclamando otras respuestas. No podemos ser este, desconocedores de que el problema de la inclusión es un problema que tenemos en nuestro sistema educativo uruguayo, que se hacen grandes esfuerzos desde la Administración de la Educación Pública para poder tener mayores niveles de retención de los estudiantes y a la vez con una educación de calidad es innegable. También es cierto que últimamente hemos logrado abatir en algo los porcentajes de abandono del ciclo básico, aunque tenemos todavía porcentajes altísimos en el bachillerato. Pero más allá de, de lo que podría ser el sistema educativo en sí, nos estamos planteando que aquellos que abandonan el sistema educativo los estamos condenando probablemente a la marginación los estamos condenando a no poder aportar al desarrollo personal y a un desarrollo sustentable del país. De modo que eso nos plantea todo un reto y justamente cuando estamos pensando en transformar la formación de los educadores para responder a esos desafíos, tenemos que pensar que un indicador de la calidad universitaria que pudiéramos lograr con nuestra formación será justamente los niveles de inclusión y la capacidad de inclusión que puedan tener nuestros docentes. Cosas que no se logran por supuesto de aulas para adentro, sino que exigen un trabajo en equipo. A todos estos aspectos creo que el profesor Merié puede aportar y mucho y puede dejarnos una resonancia de reflexiones que contribuyan a estos debates que hoy tenemos, a las tensiones que hoy tenemos. ¿Cómo tiene que ser la formación? Tiene que ser una formación integral, tiene que ser una formación que apunte a la formación pedagógica y también con otros saberes que nos permitan hoy entender lo que pasa en el contexto y además una formación disciplinar, cuál es el equilibrio entre ambas cosas. Estamos un poco en esas tensiones, que creo que a veces son incluso falsas oposiciones, ¿sí? como hoy lo veíamos un poco en algunas instancias que estuvimos en la mañana con el profesor Merier. Yo no quiero ocupar eh, el, más del tiempo porque me parece que todos estamos ansiosos de, de escucharlo, así que bueno, los dejo con, con él y después seguramente habrá alguna instancia para los posibles intercambios. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Mais je ne vais pas parler tellement plus longtemps en espagnol parce que ce, cela ne me serait pas possible. No voy a mucho más en no et, et je ne veux pas abîmer votre belle langue non plus. Et je ne veux pas abîmer votre belle langue non plus. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour partager nos réflexions réciproques sur ces questions importantes qui viennent d'être rappelées et qui touchent à l'école inclusive, à l'égalité, à l'égalité du droit pour tous à l'éducation. Estoy muy contento de estar ici cette esta noche pour poder compartir avec ustedes todos les puntos importantes que se dijeron y que tienen que ver con la educación inclusiva y con la igualdad. Cette question de l'éducation inclusive et de l'égalité est une question qui se pose à tous les pays développés, tous les pays qui sont en train de se développer et qui veulent accéder à une démocratie majeure. Este tema de la escuela inclusiva y de la igualdad se plantea en todos los países, en todos los países que quieren acceder a una democracia y a una educación mejor. En effet pour une véritable démocratie, nous avons besoin de citoyens lucides. En effecto, para una verdadera democracia, necesitamos ciudadanos nous avons besoin de citoyens qui exercent leur jugement. Ciudadanos que su juicio. Nous avons besoin de citoyens qui cherchent l'information et ne se contentent pas de répéter des slogans. Nous avons qui cherchent et ne se contentent con pas de slogans. Nous avons besoin de citoyens qui sachent débattre ensemble sereinement du bien commun. Nécessitamos ciudadanos que sepan debatir juntos en forma serena sobre el bien común. La démocratie est exigeante en matière éducative. La democracia es exigente en materia educativa. Et elle nous invite à un sursaut éducatif. Y nos invita a, a hacer un salto educativo. En effet, dans une dans un régime totalitaire ou dans un régime théocratique, on en peut Égypte, se contenter d'avoir des êtres humains obéissants. Seres obedientes. Dans un régime démocratique, il nous faut avoir des êtres humains capables de réfléchir individuellement et collectivement. En un pays démocratique, nous avons besoin d'êtres humains capables de discuter collectivement. Alors, cette question de l'école inclusive et de l'accès de tous à l'éducation est une question qui se pose aux pays européens dont je fais partie depuis environ la moitié du XXe siècle. Depuis la mitad du XXe siècle, ce thème de l'école inclusive et de la l'égalité se plante dans les pays européens. Depuis le milieu du XXe siècle, XX, les gouvernements européens ont choisi d'ouvrir très largement l'école la et d'accueillir dans l'école tous les enfants jusqu'à l'âge de 16 ou 17 ans et recibir en l'école à tous les enfants jusqu'à l'âge de 16 ou 17 ans. Cela s'est fait d'une manière extrêmement rapide et volontariste. Esto se hizo en forma muy rápida y voluntarista. Cela s'est fait en recrutant massivement des enseignants. Se hizo reclutando en forma masiva a los docentes. Mais cela ne s'est pas fait en modifiant significativement le fonctionnement de l'école élitiste qui existait auparavant. Pero no se hizo modificando Significativement la escuela élitiste qui existait avant. Nous avons donc réussi une démocratisation de l'accès à l'école. La Mais nous n'avons pas vraiment réussi une démocratisation de la réussite dans l'école. Mais nous n'avons pas vraiment réussi une démocratisation de éxito en la escuela.

avant les années 1950, d'ailleurs, l'expression d'échec scolaire n'était utilisée dans aucun pays du monde. Antes de los años 1950, la expresión fracaso escolar no era utilizada en ningún país del mundo. Cette expression n'est apparue que parce que nos ambitions éducatives ont significativement évolué. Esta expresión apareció porque nuestras ambiciones evolucionaron de forma significativa. Et cet échec scolaire n'est que le revers de nos ambitions bien sûr. Y este fracaso escolar es solamente el revers de nuestras ambiciones por supuesto. Il y a d'ailleurs un certain nombre de pays dans le monde qui, devant cet échec scolaire, préfèrent abandonner leurs ambitions plutôt que de lutter contre cet échec scolaire. Il y a un certain nombre de países en le monde qui, frente a ese fracaso escolar, prefieren abandonar sus sus ambiciones y no tener esos fracasos escolares. Dans les pays européens que je connais bien. En los países europeos que conozco bien. La démocratisation de l'accès sans démocratisation de la réussite la acceso, éxito, a créé un phénomène à la fois psychologique et sociologique chez les élèves et leurs familles. un fenómeno y sociológico en los alumnos y sus familias. Tant que l'école ne donnait pas l'accès à tous les enfants des milieux défavorisés, mientras que la escuela no daba acceso a todos los niños de los medios de, los, de las clases desfavorecidas ces des de Esos niños eran considerados víctimas de la exclusión escolar. A partir, du où ces sont dans scolaire, a partir del momento en que esos niños son eh, recibidos en la institución escolar a partir del momento lo estime que leur a donné leur chance a partir del momento en que se considera que les dimos la oportunidad les se en las víctimas se transforman en culpables. Les victimes de l'exclusion deviennent coupables de n'avoir pas saisi leur chance dans une école qui les a intégrées. Les victimes de l'exclusion se tornent culpables de n'avoir pas pu l'opportunité une école qui les a Et cela euh, déclenche des phénomènes de rancœur, voire de révolte, à l'égard d'un certain nombre de ces enfants et de leurs familles. un cierto sentido de, de rabia con respecto a los niños y a sus familias ont été o de rencor Tienen el sentimiento de que fueron engañados ont le de Sienten que se les recibió en principio, pero que verdaderamente no fueron recibidos Ils ont le sentiment qu'ils ont été accueillis dans une école qui n'était pas faite pour eux. Que en una que no fue hecha para ellos. Et le plus grave, peut-être, dans ce phénomène. phénomène C'est que l'école légitime ainsi la sélection sociale. Es que la escuela Puisque les élèves des milieux défavorisés sont accueillis dans l'école et qu'ils y échouent, c'est donc qu'il est normal que ces élèves-là ne réussissent pas ni dans l'école ni dans la société. Ya que los alumnos que fueron recibidos de los medios desfavorecidos, fueron recibidos en las escuelas y fracasan, es normal que esos niños fracasen en la escuela y en la sociedad. Ce Se... Ce phénomène touche tous les pays qui ont fait ce travail de démocratisation de l'accès à l'école. Este fenómeno abarque a todos los países que hicieron ese trabajo de democratización en las escuelas. Mais quand on fait des comparaisons internationales, on s'aperçoit que ce phénomène touche inégalement les différents pays. Pero cuando se hacen comparaciones internacionales vemos que este fenómeno afecta de forma desigual a los diferentes países. Les pays qui sont le plus touchés par cette équ entre la démocratisation de l'accès et la démocratisation de la réussite, les pays qui sont les plus affectés esa cette différence entre la démocratisation de l'accès et la démocratisation du de fracas, sont les pays qui sont les plus figés, les plus euh, arc sur ce que nous appelons la forme scolaire. Ce sont les pays qui sont les plus fixés sur ce que, eh, que nous appelons la structure scolaire. La forme scolaire, ça n'est pas quelque chose d'éternel, d'intemporel. La forme scolaire no es algo eterno, intemporal. La forme scolaire, c'est une mode, c'est un mode d'organisation de l'école. La forma escolar es un modo de organización de la escuela. Qui est, est apparu au début du 19e siècle. Apareció a comienzos del siglo 19. Cette forme scolaire se caractérise par un certain nombre de présupposés. Esta forma escolar se caracteriza por un cierto número de presupuestos. Et le premier de ces présupposés, le plus important. El C'est que l'apprentissage s'effectue mieux avec des élèves de même âge, de même niveau et qui font la même chose en même temps. Es que l'apprentissage aprendizaje se realiza mejor con alumnos de la misma edad. Qui font le même et en même temps. Cette forme scolaire a été imposée dans les années 1930 et s'est imposée progressivement dans toute l'Europe. Cette forme scolaire s'est imposée en les années 1930 et s'est progressivement en toute l'Europe. Elle s'est également imposée dans tous les pays qui ont reçu l'influence de l'Europe. Elle s'est également imposée dans tous les pays qui ont reçu l'influence européenne. Et cette forme scolaire est devenue tellement importante que les institutions éducatives n'imaginent pas qu'il puisse y en avoir une autre. Et cette forme s'est convertido en algo tan importante que les institutions educativas no imaginan pas qu'il haber y avoir autre. Pourtant, il y a eu de par le monde, et avant le XIXe siècle, des tas d'autres méthodes d'organisation scolaire. Sin embargo, hubo en el mundo, y antes del siglo XIX, muchas otras organizaciones escolares diferentes. Quand le ministre François Guizot a imposé en France la forme scolaire... Quand le ministre François Guizot a imposé en France la forme scolaire... Il interdit une autre méthode d'organisation. Prohibió otro método de organización. Qui existait à l'époque Que existía en ese momento Et qui s'appelait l'école mutuelle Y que se llamaba la escuela mutua Dans l'école mutuelle, en esa escuela mutua, les classes ne no sont pas homogènes. Las clases no son homogéneas. Les élèves vont de 5 à 15 ans. Los alumnos van de 5 a 15 años. Et l'enseignement est organisé par petits groupes. Et l'enseignance se organise par groupes pequeños Avec des systèmes de moniteurs où les plus âgés enseignent aux plus jeunes. Con systemas de monitores en donde los más grandes enseñan a los más chicos. Les pays adoptent la forme scolaire du modèle simultané. Los países adoptan la forma escolar del modelo simultáneo sous l'influence essentiellement des euh, positions conservatrices et religieuses. Bajo la influencia sobre todo de posiciones conservadoras y religiosas. La forme scolaire du modèle homogène, la celle qui va s'imposer, est au fond une forme très sacramentelle et cléricale. Y en el fondo una forma muy sacramental y clerical. C'est c'est une reproduction assez fidèle reproduction bastante fiel de ce que la religion catholique a, a imposé pendant des siècles. De eh, ça n'est pas du tout ce qu'on trouverait dans le protestantisme occidental. No es lo que encontraríamos en el protestantismo occidental. Ça n'est pas du tout ce que l'on trouverait en Afrique ou ce que l'on trouverait en Asie. Ça n'est absolument pas la méthode qui, est, qui présidait à l'éducation des peuples indigènes dans des continents comme l'Amérique. Et tampoco el método que presidía la educación de los pueblos indigènes acá en América. C'est une méthode qui correspond à un moment donné de la construction des États. Et un méthode qui corresponde à un momento dado de la construcción de los estados. À Un moment où il faut un système très pyramidal. Et un momento en donde se necesita un sistema muy piramidal. Un système où tous les élèves soient Contrôlés à l'intérieur d'une même structure Un système en lequel cual todos les alumnos contrôlés dentro de une même structure nous ne sommes pas encore dans la démocratie todavía no estamos en la democracia. il y a des soulèvements populaires ici ou là aquí ou allá. mais tous les gouvernements européens en France, en Allemagne, en Angleterre et partout. les gouvernements européens en Francia, en, Alemania, en Inglaterra y por todos lados considèrent que le problème c'est ce qu'ils appellent le gouvernement des esprits. Et le gouvernement des esprits impose une forme scolaire pyramidale, autoritaire et homogène. y este gobierno de los espíritus o de las mentes impone una forma autoritaria piramidal y, y homogénea. Le de est un principe qui permet de supposer que tous les élèves sont identiques. el, el principio de la homogeneidad permite suponer que todos los alumnos en principio son homogéneos. Et ceux qui ne réussissent pas dans ce groupe homogène sont externalisés. Et lesquels n'obtiennent no, pas de bons résultats dans ce système ils se les mandent afuera. Dès lors que l'on suppose a priori que la classe est homogène, que tous les élèves sont identiques, qu'ils apprennent tous de la même manière et en même temps. Que se suppose a priori que Todos los alumnos de la clase son idénticos que aprenden de la misma manera y al mismo tiempo. Eh bien, on se propose immédiatement d'externaliser les réfractaires. Inmediatamente lo que se propone es sacar a los refractarios. C'est un phénomène qui frappe massivement les pays développés aujourd'hui. Es un phénomène qui golpea en forma massive a los países desarrollados hoy. Dès lors que la classe homogène reste le principe organisateur, comme la classe homogénea sigue siendo el principio organizador, dès qu'un élève ne peut pas travailler dans ces conditions, A partir del momento en que un alumno no puede trabajar en esas condiciones, on va le sortir de la classe provisoirement. Le de la classe en Pour euh, l'aider d'une manière euh, payante ou gratuite. En, en forma, bueno, paga o et lui permettre de réintégrer ensuite le groupe homogène quand il aura été remis à niveau. Si il ne peut pas être remis à niveau il va être exclu dans des groupes où il va décrocher de sa scolarité. Si no puede alcanzar ese nivel, y bueno, va a ser puesto en otros grupos en donde va eh, perdiendo sa scolarité. La classe homogène, ce que nous appelons la forme scolaire, fonctionne la ainsi selon le principe de la centrifugeuse. La forme homogénea, lo que nosotros llamamos ese principio, fonctionne comme si fuera una une centrifugeuse. La centrifugeuse est, est un appareil qui tourne pour homogénéiser ce qu'il y a au centre. La centrifugadora es un aparato que gira para homogeneizar lo que está adentro. Et qui exclut vers l'extérieur tout ce qu'elle ne peut pas homogénéiser. Et que excluye hacia afuera todo lo que no puede homogeneizar. La centrifugeuse est très utile pour les travaux agricoles, pour la cuisine la et pour un certain nombre de travaux industriels. Où est para los trabajos agrícolas, para la cocina, para un cierto número de trabajos industriales? Mais c'est le fonctionnement exactement inverse de l'école inclusive dont parlait madame tout à l'heure. Pues justamente lo contrario a la escuela inclusiva de la que hablaba la señora hace un rato. La centrifugeuse. La centrifugadora. Fonctionne avec euh, les forces centrifuges. Funciona con las fuerzas centrífugas. Qui exclut. Que excluyen. Ce qu'elle ne peut pas digérer. Lo que no pueden digerir. Alors que l'école inclusive. La escuela inclusiva. Doit fonctionner avec les forces centripètes qui ramènent vers l'intérieur. Tienen que funcionar con las fuerzas centripetas que qui llevan vers vers hacia adentro. Et qui intègre systématiquement. Et qui intègrent de manière systématique. Au lieu d'exclure ce qu'elles ne digèrent pas. En lieu de exclure ce que ne no peuvent digérer. Il y a donc là, dans euh, la forme scolaire de la classe homogène. et la forma escolar de la classe homogènia, hay entonces. Il y a probablement l'obstacle majeur. Probablemente el obstáculo más importante. En termes institutionnels. Et en termes de représentation des acteurs en términos institutiones et en términos de représentation de nos actes à l'école inclusive c'est l'obstacle majeur à l'école inclusive c'est l'obstaculo ma grande para la l'école inclusive pour aller vers une école inclusive une école de l'égalité réelle par ainsi une école inclusive à une escuela de la igualdad rée il faut accepter les différences es las et accepter que le collectif y qui el apprend que apprend est un collectif qui comporte des activités communes est un collectif qui comporte des activités communes mais qui accepte aussi de différencier ces activités en fonction des besoins des individus. pero que también acepta diferenciar esas actividades en función de las necesidades de los individuos. Inclusive, a menudo digo esto y digo también que para pasar a la escuela inclusiva il faut passer du de des chances, hay que pasar del paradigma de la igualdad de oportunidades. Au paradigme du droit à l'éducation pour toutes et tous. Al paradigma del derecho a la educación para todos y todas. L'égalité des chances est une imposture dans une société démocratique. La igualdad de oportunidades es una impostura en una sociedad democrática. Cette égalité des chances ne vaudrait que si tous les élèves avaient les mêmes conditions sociales, avaient le même profil personnel, la même histoire. Et Esta igualdad de oportunidades solo podría realizarse si tous les alumnos tuvieran le même perfil social, les mismas eh, histoires personnelles.

il ne peut y avoir d'égalité des chances. No puede haber igualdad de oportunidades. Il doit y avoir l'égalité du droit à l'éducation. Et l'égalité du droit à l'éducation signifie inévitablement que l'on va donner plus à ceux qui ont moins. Et cela signifie inévitablement que se les va donner plus à ceux qui ont moins. Et c'est ça l'égalité du droit à l'éducation. Et là, nous voyons bien que la plupart des pays, hélas, n'ont pas perçu cet enjeu. Mais nous voyons que la majorité des pays n'ont pas perçu cette situation. Quand on regarde le cou d'un élève, quand on observe le cou d'un alumno, par rapport au, au budget d'un état et de un alumno con respecto al presupuesto del estado on s'aperçoit que dans la quasi totalité des pays du monde mais je ne sais pas si c'est vrai dans le vôtre vemos que en la casi totalidad de los países del mundo y no sé si es verdad también aquí les élèves de milieux plutôt favorisés Los alumnos de los medios más bien favorecidos Cueste plus cher que les élèves des milieux défavorisés Cuestan más caro que los alumnos de los medios desfavorecidos Il coûte plus cher parce qu'ils sont dans des meilleures écoles Cuestan más porque están en mejores escuelas Il coûte plus cher parce qu'ils ont des enseignants plus diplômés Cuestan más porque sus maestros tienen más títulos ils coûtent plus cher parce qu'ils sont mieux accompagnés. Mejor alors que les élèves les plus défavorisés, que alumnos más ont moins de revenus au départ, moins de chances au départ, menos entradas al comienzo, menos al comienzo. il y a beaucoup moins d'investissements de. La sphère publique hay sur mucho, leur réussite hay menos inversion pour parte de la sphère publique' respect à sous logros Si l'on veut une école véritablement inclusive si queremos une escuela verdadment inclusive la logique veut que l'on donne plus et mieux à ceux qui ont moins. La lógica quiere que se les dé más y mejor a los que tienen menos. Donc, que les dotations et les Por lo tanto, que sea una proporción en el dinero y los medios escolares. Uh, par rapport aux sociales des enfants qui sont con respecto a las dificultades sociales de los. Ça veut dire que les écoles des enfants favorisés vont avoir des dotations moins importantes, inévitablement. Esto quiere decir que las escuelas de los alumnos de las clases más favorecidas tendrán asignaciones menos importantes. Ce qui nécessite un courage politique considérable. Y esto exige una valentía política considerable. Un courage politique que peu de gouvernements en Europe ont eu une politique que peu de gouvernements en Europe ont tenu. Alors ça c'est pour euh, la condition politique. Esto es para la condición política de la construction d'une école véritablement inclusive. De la construction de une escuela verdaderamente inclusiva. Mais je voudrais insister maintenant sur trois autres conditions qui sont plus à notre portée probablement. Pero quisiera hablar ahora de otras 3 condiciones que están probablement à notre alcance. Je vais évoquer des conditions que j'appelle institutionnelles. Voy à nombrar conditions que llamo institucionales. Euh, des conditions pédagogiques. Condiciones pedagógicas. Et puis j'évoquerai des conditions qui relèvent des rapports avec les parents, avec les familles. et luego citaré condiciones que tienen que ver con las relaciones con los padres, con las familias et des relations entre l'école et la société d'une manière plus générale. Commençons par les conditions institutionnelles. Comencemos por las condiciones institucionales. Le concept que j'ai développé pendant une grande partie de mon travail de recherche est le concept de pédagogie différenciée. Es el concepto de diferenciada. La pédagogie différenciée, ça n'est pas quelque chose de complètement révolutionnaire et beaucoup d'enseignants ou beaucoup de pédagogues l'avaient déjà proposé ou effectué sans la nommer ainsi esta pedagogía diferenciada no es algo revolucionario muchos pedagogos sin nombrarla así ya la habían utilizado célestin frénet par exemple en france rené par exemple en france avait proposé des méthodes qui, qui renvoient à l'idée de pédagogie différenciée qui ont que, que voir con cette idée de pédagogie différenciée. puisqu'il articulait dans son travail pédagogique en su trabajo pedagógico des activités communes actividades comunes mais en fonction des besoins des élèves en euh, función de las necesidades de los alumnos des activités individuelles también qui leur, leur permettaient de progresser à leur niveau et selon les difficultés qu'ils rencontraient qui les permettaient progresser en sus niveaux de acuerdo a les difficultés qu'ils encontraient euh, dans la pédagogie de Célestin Freinet que j'ai étudié d'une manière assez précise Et nessa pédagogie de Célestin Freinet que estudié en forme bastante précise. Le projet de la classe Et proyecto de la clase qui réunit tous les élèves qui réunit a todos los alumnos Euh Toujours complété par un système individualisé. Siempre completado un Qui est le système du plan de travail. Que es el sistema de plan de trabajo. Ou le système des brevets qu'il va emprunter au scoutisme. O el sistema de las licencias o breves que va à tomar de los scouts. Euh, le système des brevets est un système extrêmement astucieux. Este sistema de licencias es un sistema Muy Puisque les élèves doivent passer des brevets obligatoires, ya que les alumnos tienen que passer esas pruebas obligatorias, sur les matières fondamentales et structurantes de leur scolarité, en las materias esenciales que estructuran su escolaridad, mais ils peuvent également passer des brevets facultatifs Pero en fonction de leur goût, pueden también obtener licencias facultativas en función de lo que les guste. Les brevets obligatoires concernent un certain nombre de points du programme. Concernan un cierto número de puntos del programa. Euh, Qu'il est absolument nécessaire que chaque élève s'approprie. Que es absolutamente necesario que cada alumno tenga. Et que chaque élève va préparer à son rythme avec sa méthode personnelle. Y que cada alumno va a preparar a su ritmo con su método personal. Et nous avons là quelque chose qui est au cœur de toute école inclusive. Y tenemos algo ahí que está en el centro de toda escuela inclusiva. Qui est la capacité à créer du collectif? Que es la capacidad para crear el colectivo? Tout en accompagnant le cheminement individuel de chacun. Acompañando el recorrido individual de cada uno. L'école démocratique doit me semble-t-il articuler le collectif en individuel le me collectif et le singulier Mais parece que la escuela democrática tiene que articular el colectivo y el individual, el colectivo y el singular. Le collectif c'est ce qui permet aux élèves d'apprendre à travailler ensemble. El colectivo les permite a los alumnos aprender a trabajar juntos. C'est ce qui permet aux élèves d'apprendre à faire société entre eux. Permite que los alumnos hagan una sociedad entre ellos l'attention à chaque élève individuel la attention à chaque élève individuel c'est ce qui permet d'accompagner chacun pour qu'il s'investisse le mieux possible dans le collectif et qu'il se dépasse dans son travail personnel. es lo que permite eh, ayudar a cada uno para que se invierta en el colectivo y para que obtenga logros en forma individual. On assiste aujourd'hui, dans un certain nombre de pays, à un, un balancement d'une école basée sur la forme scolaire homogène, à un balance une école qui se base la forme scolaire homogène, à une école entièrement fondée sur l'individualité et à autre qui est basée sur l'individualité à une école entièrement fondée sur euh, l'enseignement de chaque élève sans construction du collectif. Una escuela que se basa en la de cada alumno sin construcción del colectivo. C'est une des illusions du numérique. Es una de las ilusiones de lo digital. Que de nous laisser penser, hacernos pensar o dejarnos pensar. que nous pourrons construire une école

Articuler c'est un défi qui n'a jamais vraiment été effectué dans aucun système scolaire complètement jusqu'à aujourd'hui. C'est es un desafío que nunca se hizo en ningún sistema escolar en forma completa hasta hoy, pero tenemos que articular euh, l'homogénéité, l'homogénéité la qui construit du collectif, que hein, el colectivo, et la prise en compte de la singularité qui accompagne chaque élève, y considerar la singularidad que es la de cada alumno. C'est ça le principe de l'école inclusive. El de la eh, en France, cette expression de l'école inclusive est apparue d'abord pour signifier l'intégration des enfants handicapés. En France, esta expresión de la escuela inclusiva apareció en primer lugar para eh, nombrar la integración de los alumnos discapacitados. J'ai vécu cette période assez intensément. Bibi et ces périodes intensamente. Et j'ai pu observer comment cette intégration des élèves handicapés pouvait être aussi une illusion dans un certain nombre de cas. Il pouvait observer comment cette intégration de les alumnos discapacitados pourrait être en algunos cas une illusion. Si on intègre des élèves handicapés dans une classe, si se integran alumnos discapacitados en una clase, sans qu'il y ait des activités communes où ils puissent participer avec les autres, sin que hayan actividades comunes en las que puedan participar ellos con los otros, ils ne sont pas intégrés, no están integrados, ils sont exclus de l'intérieur, están excluidos del interior, et ils ressentent encore plus leur exclusion, y sienten aún más su exclusión. J'ai beaucoup travaillé avec les professeurs à cette époque-là. J'ai beaucoup travaillé avec les professeurs en cette époque pour leur expliquer que il fallait construire des activités où ces élèves puissent s'impliquer avec leurs camarades. Para explicarles que era necesario construir actividades en donde esos alumnos pudieran implicarse con sus compañeros. Parce que ce qui est intégrateur et inclusif. Porque lo que es integrador y e inclusivo. Ce n'est pas la classe. No es la clase. C'est l'activité commune. Es la actividad común. Euh mettre des enfants ensemble sans qu'ils puissent faire une activité ensemble, y ce n'est pas intégrer. Et poner des enfants ensemble sans qu'ils puissent réaliser une activité no ensemble, ce n'est pas intégrer. C'est euh, au contraire légitimer l'exclusion. C'est au contraire légitimer l'exclusion. Et c'est produire aussi des effets extrêmement négatifs sur y ces enfants. négatifs sur ces enfants, qui vont se sentir beaucoup plus mis à l'écart van a sentirse mucho más dejados de lado. C'est par rapport à cela que la pédagogie différenciée cherche à apporter des solutions. Con respecto a esto, la pedagogía diferenciada trata de aportar soluciones. La pédagogie différenciée, j'ai montré qu'elle pouvait s'exprimer d'une manière successive ou simultanée. Montré que la pedagogía diferenciada puede expresirse en forma simultánea o sucesiva. Sous une forme successive, c'est simplement le fait pour un enseignant de varier ses méthodes d'enseignement. En un docente el sus de Nous disposons aujourd'hui de très nombreuses recherches internationales de qui montrent que un enseignant qui va jouer sur plusieurs registres méthodologiques et montre que un docente qui va utilizar varios registros metodológicos est un enseignant qui va provoquer beaucoup plus de réussite scolaire. et un docente qui va obtenir mucho más éxitos escolares si l'enseignant utilise la leçon magistrale si el docente emplea la lecture magistrale s'il si utilise le travail individuel el trabajo individual s'il si utilise le travail de groupe el trabajo en grupo s'il si utilise l'enquête la investigación s'il utilise la recherche expérimentale la investigación expérimentale s'il utilise la pédagogie de projet se si utiliza la pedagogía de proyecto il, aussi, offre, il offre un éventail pédagogique ofrece un abanico pedagógico qui permet un plus grand nombre d'élèves qui permette un maggior numero de d'accéder à euh, la culture scolaire accéder à la culture scolaire, de se réconcilier avec les savoirs reconciliarse con el conocimiento et de trouver une voie pour accéder à la connaissance y encontrar una vía para acceder a ese conocimiento et euh, la richesse de cette panoplie méthodologique il la riqueza de esta panoplia metodológica elle est bien évidemment démultipliée dès lors que les enseignants travaillent en équipe, comme es vous l'avez dit, madame, tout Évidemment, mientras que, dado que los docentes trabajan en équipe, comme lo dijo la señora. Parce qu'il est évident qu'à ce moment-là, c'est une intelligence collective et non plus une intelligence individuelle. Est... en ese momento entonces se trata de una inteligencia colectiva y no de una inteligencia individual. Et cette intelligence collective peut proposer une plus grande variété de méthodes. Y esta aux élèves. inteligencia colectiva puede proponerle a los alumnos mayores métodos, más variedad. Parmi cette variété de méthodes. Entre esta variedad de métodos. Il en est une qui me semble absolument essentielle et qui a été beaucoup trop écartée pendant trop longtemps de l'institution scolaire. Hay una que me parece absolutamente et y que no fue considerada durante mucho tiempo por la institución escolar. C'est l'entraide entre élèves. Y es la entre los alumnos. L'entraide entre élèves est un élément absolument essentiel du développement de la personne et de l'acquisition des savoirs. Y ajoute entre les alumnos es un elemento esencial para el crecimiento de los alumnos y para también el crecimiento del saber del conocimiento. Quand un élève un peu plus âgé ou un peu plus en avance aide un élève plus jeune ou plus en difficulté Quand un alumno que es mayor o que está más adelantado ayo, ayuda a un alumno menor o que tiene dificultades Les deux élèves progressent Los dos alumnos progressan. L'élève qui est aidé progresse. El que es avanza, Mais l'élève qui aide progresse aussi. Pero el que ayuda et il comprend que les difficultés de son camarade l'aident à progresser. Y él comprende que las dificultades de su compañero lo ayudan a progresar. Parce que cela va l'amener à expliquer et à comprendre encore mieux ce qu'il a appris. Porque eso va a Y a comprender aún mejor lo que aprendió. Y qu por pour lo tanto, los niños en esta ayuda mutua comprenden que tienen necesidad unos de otros para aprender bien. Y esta Partout où elle a été mise en œuvre, a donné des résultats spectaculaires. Et esta ayuda mutua, en todos lados en donde se implementó, obtuvo resultados espectaculares. Elle a été mise en œuvre dans des classes. Elle a été mise en œuvre aussi à l'échelle de certains pays entre différentes classes. Et también a escala de algunos países entre différentes classes Nous avons des exemples extrêmement encourageants tenemos experience, ejemplos muy estimulantes d'expériences euh, dans laquelle les élèves de 15 ans par exemple et en lesquels les alumnos de 15 años par exemple se voient tous attribuer la responsabilité de faire progresser un élève de 11 ans. Tienen todos la responsabilidad de hacer progresar a alumnos de 11 años. avec euh, chaque jour un temps d'une demi-heure ou d'une heure con cada día un tiempo de media hora de una hora uh l'élève le plus âgé va aider l'élève le plus jeune en donde donc l'alumno mayor va ayudar al alumno menor et cela responsabilise considérablement les élèves plus âgés et esto responsabiliza en forma considerable a los alumnos mayores cela Crée aussi entre les élèves une forme de socialisation sur les savoirs scolaires. También crea entre los alumnos una forma de socialización sobre los conocimientos escolares. Et ça, c'est un point tout à fait décisif. Y este es un punto euh, Toutes les recherches montrent aujourd'hui qu'il est difficile de socialiser les enfants sur les savoirs scolaires. Todas las encuestas o investigaciones muestran hoy que es muy difícil socializar a los alumnos sobre la base de los conocimientos escolares. Oh, les élèves se plus volontiers sur des los alumnos se socializan de, de mejor manera en actividades extracurriculares. Uh, ils se uh, parfois dans des A veces también en actividades transgresoras. Euh, et euh, ils découvrent euh, la socialisation secondaire, celle qui permet de sortir de la famille. Ils la, 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 il la découvrent plutôt dans des activités marginales que dans des activités qui contribueraient à leur réussite scolaire. Ils la découvrent, à dessein, en activités marginales, plus qu'en activités qui pourraient contribuer à leur éxito scolaire. Ce phénomène est d'ailleurs euh, très différencié selon le genre de l'élève. phénomène est très de le eh, Plus le pays est développé dans le más monde, es el país en el mundo, plus les filles se socialisent scolairement, alors que les garçons ne parviennent pas à se scolariser las niñas scolairement. Les filles se socialisent en la alors que les garçons ne logrent pas il uh, y a un phénomène dont on parle assez peu, mais qui est un phénomène qui est constaté par la totalité des experts. A y un phénomène qui se habla poco, mais qui a sido constatado pour todos les expertsos. C'est que dans les sociétés développées, y es que en las sociedades desarrolladas, la société est desarrolla, l'école telle qu'elle est aujourd'hui, la lae quale est hoy en, día, Va euh, permettre beaucoup plus de développement et d'apprentissage chez les filles que chez les garçons. Va permitir mucho más aprendizaje y desarrollo en las niñas que en los varones. Et euh, ce phénomène est assez curieux. Y ese fenómeno es bastante curioso. Euh, il est d'autant plus curieux qu'il ne s'accompagne pas d'une meilleure réussite sociale des filles. Es mucho más curioso porque no se acompaña de un éxito social de las niñas. Eh, C'est une réussite scolaire qui est corrigée par les représentations sociales. Es un éxito escolar que está corregido por las representaciones sociales. On dit que les filles réussissent mieux. Se dice que las niñas eh, obtienen mejores resultados. Mais pas parce qu'elles sont plus intelligentes. Pero no porque son más inteligentes. Simplement parce qu'elles travaillent plus. Simplement porque trabajan más. Ou qu'elles compensent leur manque d'intelligence par un travail plus scolaire, plus assidu. Ou porque compensan su falta de inteligencia con un trabajo escolar más asiduo. Et, et comme on considère que leurs résultats, elles l'obtiennent essentiellement avec leur travail et pas avec leur intelligence. et comme se considera que el resultado lo obtienen mucho más por su trabajo que por su inteligencia. Quand il s'agit de leur affecter des responsabilités sociales, se trata de sociales, on les donne plutôt aux garçons et aux hommes. Les bien a los y a los hombres, euh, qui, eux, ne sont pas aussi travailleurs, que no mais dont on pense qu'ils sont plus brillants. Mais de ceux qui se que sont plus brillants. Et ce phénomène est un phénomène qui se répand dans le monde entier. Et hein? ce phénomène se rencontre dans tout le monde. Et ce phénomène attire notre attention sur un déficit majeur. Et ce phénomène attire notre attention sur un déficit majeur. Qui est le déficit de socialisation scolaire des garçons. quest le déficit de socialisation scolaire des garçons. Les garçons ne parlent pas du travail scolaire entre eux. Les parents ne parlent pas du travail de l'école entre eux. Et nous avons besoin de les socialiser sur le travail scolaire. Et nosotros tenemos necesidad de socializarlos en cuanto a ese trabajo escolar. Donc nous avons besoin de les aider à découvrir qu'ils ont besoin des autres. et lo tanto tenemos que ayudarlos a dar, que se den cuenta de que tienen necesidad de los otros. Et que euh, ils peuvent grâce aux autres trouver du plaisir dans le travail scolaire. Y que gracias a los demás ellos pueden encontrar placer en su trabajo escolar. Si nous ne travaillons pas sur cette dimension de genre de la réussite scolaire... Si hein, nous ne en cette dimension de genre de la scolaire... Nous aboutirons dans certains pays, c'est déjà fait d'ailleurs... Nous arriverons dans certains pays, c'est déjà fait... Sur le fait que les filles sont identifiées comme bonnes à l'école parce qu'elles se réalisent dans le travail scolaire, sobre hecho de que niñas buenas en la escuela tenido escolar, alors que les garçons s'identifient plutôt à des modèles machistes, mientras que los varones se identifican más bien con modelos machistas, et, et basculent plus facilement dans la violence, y se van más fácilmente hacia la violencia. Donc, il y, y a là un élément très important de cette socialisation à l'école. Es Et c'est pour cela aussi que j'insiste tant sur l'entraide entre élèves comme un des éléments de la panoplie méthodologique. Et pour cela es que j'insiste tant en l'aide mutuelle entre les élèves comme un des éléments de la panoplie méthodologique. Et comme je suis convaincu que les enseignants ne font pas ce qu'on leur a dit de faire, et comme estoy que Mais ce qu'on a fait avec eux en formation, sino lo que se hizo con ellos en formation, euh, Je suis convaincu aussi qu'il faudrait pratiquer en formation des enseignants l'entraide systématique entre les enseignants et les futurs enseignants. Estoy convencido de que también habría que practicar entre los docentes la ayuda mutua sistemática. Je pense que... Un certain nombre de pays ont inventé des systèmes intéressants. Hay un cierto número de países que inventaron sistemas interesantes. Par exemple, certains pays utilisent les enseignants au début de leur retraite Por pour exemple, accompagner les nouveaux enseignants. Algunos emplean a los docentes que están al comienzo de su jubilación para acompañar a los nuevos docentes. Et euh, mettent en place des systèmes d'entraide. Et implémentent un système de, mutua, euh, de mutualisation. De mutualisation. Euh, D'échanges de pratiques. intercambio de prácticas. Qui développent entre les enseignants des de compétences qui leur permettent de pratiquer cela avec leurs élèves. Que desarrollan entre los docentes competencias que les permiten practicarlas con sus alumnos, aplicarlas con sus alumnos. J'ai développé ce que j'ai appelé euh, la pédagogie différenciée successive. Je développé ce que j'appelais pedagogía diferenciada sucesiva. Ce qui est plus difficile et qui va plus à l'encontre de nos représentations et de la forme scolaire traditionnelle. Lo que es más difícil, más difícil está en cuenta, en contra de las representaciones escolares que tenemos. C'est euh, la pratique de la Pédagogie différenciée simultanée. Es la práctica de la pedagogía diferenciada simultánea. Parce que nous avons tous la représentation que nos élèves doivent avoir la même activité. Porque todos tenemos la representación de que nuestros alumnos tienen que tener la misma actividad. Et nous avons le sentiment que si les élèves font différentes activités, ils échappent à notre pouvoir. Y sentimos que si los alumnos realizan diferentes actividades, escapan a nuestro dominio. Alors, sans aucun doute, il faut qu'il y ait des activités communes. Sin duda alguna, es necesario que haya actividades comunes. Mais il faut qu'à côté de ces activités communes, on développe aussi ce que j'ai appelé dans mes travaux des groupes de besoins. Pero es est es necesario que al lado de ces activités communes, se desarrollen lo que yo llamé grupos de necesidades. Ces groupes de besoins sont des groupes qui sont créés au fur et à mesure de l'activité en fonction des besoins qui émergent. Estos grupos de necesidades son grupos creados a medida que la actividad avanza en función de las necesidades emergentes. Et L'enseignant doit repérer au fur et à mesure les besoins des élèves en fonction de leurs difficultés et le docente debe captar les necesidades de los alumnos en fonction de sus dificultades et leur proposer des activités adaptées y les actividades adaptadas. des activités qui vont aller chercher les élèves là où ils ont véritablement besoin d'être aidés actividades que van a ir en los alumnos hasta el donde necesitan necesidad de ser ayudados Cela peut se pratiquer dans une classe Esto puede practicarse en una clase Cela peut se pratiquer dans une école, dans un établissement Et también en una escuela, en un establecimiento et cela peut se pratiquer dès lors qu'on accepte dans une école ou dans un établissement à certains moments de fonctionner autrement que par classe. y también peut se pratiquer à partir du moment en que, en une école ou en un établissement, se accepte fonctionner de autre manière que no sea por medio de clase por clase. c'est-à-dire qu'à un moment donné, les enseignants peuvent se regrouper. c'est-à-dire que, en un moment donné, les docentes peuvent se réunir. Et se dire quels sont les besoins que nous avons observés chez nos élèves. Et voir quelles sont les nécessités que observaron en Si S'il y a des élèves qui ont des besoins particuliers sur le plan de la prise de parole, parce qu'ils sont trop timides, eh bien, on va tenter de faire avec eux un petit groupe où on va les mettre en confiance pour leur permettre de s'exprimer oralement. On peut essayer de faire avec eux un petit groupe pour qu'ils entrent en confiance se et s'expriment oralement. Se eh, à côté de cela, on, on pourra mettre un certain nombre d'élèves dans un travail écrit. Al lado de esto habrá un cierto número de alumnos que podrá realizar un trabajo escrito. Los alumnos que se fácilmente oralmente, vamos a les, élèves qui on va les faire travailler trabajar por Y los alumnos que tienen facilidad para expresarse oralmente, ellos tendrán que trabajar la parte escrita. Et de la même manière, on pourra faire travailler une notion ou faire travailler un problème qui n'aura pas été bien compris ou bien assimilé. Et de la même manière, se pourra travailler une notion ou en un problème qui n'a no pas été bien assimilé ou compris. L'école inclusive ne peut pas se penser si on ne fait pas une rupture avec le modèle de la forme scolaire homogène. Nous ne pouvons penser en une école inclusive si no faisons une rupture con la forme scolaire homogénea C'est-à-dire, si l'on ne repense pas les modes de regroupement en fonction des besoins des enfants. C'est-à-dire, si nous revenons à penser les formes agrupamiento en fonction des nécessités de nos enfants. Ça ne veut pas dire que les enfants vont être tout le temps regroupés en fonction de leurs besoins. Esto no quiere que alumnos siempre estén en grupos en función de Il faut des activités communes, je l'ai dit tout à l'heure. que se Mais il faut aussi des moments où ils soient pris en charge d'une manière spécifique où leur singularité soit reconnue. Pero también est necesario que en determinado momento sean eh tomadas en cuenta sus especificidades. Il y a là quelque chose de très très important dans cette dialectique du collectif et du singulier. Et en cette dialectique du collectif et du singulier, il y a quelque chose de très important. Pour moi, c'est l'enjeu majeur de la formation des enseignants pour une école inclusive. Et para mí es desafío más importante de la formación de docentes para una escuela inclusiva. C'est-à-dire que l'enseignant doit être formé à organiser des activités collectives. c'est-à-dire que le docente être estar formado organiser des activités collectives, À diagnostiquer dans ces activités collectives les difficultés individuelles. Para diagnosticar en esas actividades colectivas las dificultades et à organiser des activités par groupes de besoins qui vont permettre aux élèves d'être pris en charge en fonction de leurs problèmes personnels. Qui vont permettre que, que les alumniers soient atteints en fonction de leurs besoins personnels. Le groupe de besoins, tel que nous l'avons expérimenté, el grupo de tal cual lo est un groupe provisoire. C'est un groupe où l'enfant doit savoir qu'il n'est là que parce qu'il a une difficulté qu'il va surmonter grâce à ce groupe-là. C'est le groupe dans lequel le niño doit savoir qu'il est là parce qu'il a une difficulté però va à améliorer Nous disposons d'une grande enquête internationale qui euh, évalue les mérites comparés Disponemos de una encuesta internacional que evalúa los méritos comparados de la formule des groupes de besoins et de la formule des groupes de niveaux. De la fórmula de los grupos de necesidades y de la fórmula de los grupos de niveles les groupes de niveau sont des groupes permanents. Las grupos de niveles o niveles son grupos permanentes. Où on regroupe des élèves qui ont à peu près le même niveau et à qui on fait des cours à peu près homogènes. En donde se reúnen alumnos que tienen más o menos el mismo nivel y a los que se les imparte una educación homogénea. Les groupes de besoins. Los grupos de necesidades. Euh, sont des groupes provisoires Son qui sont construits à un moment donné par l'enseignant ou les enseignants en et qui ont vocation à ne pas être pérennisés c'est-à-dire no qu'ils doivent être revus et dont l'organisation doit être revue régulièrement. cest à tiene que ser de L'enquête internationale montre que le principe des groupes de besoins La investigación internacional muestra que el principio de los grupos de necesidades réduit les écarts entre les élèves. Reduce las diferencias entre los alumnos. Alors que le, les groupes de niveau, Mientras que los grupos de niveles, les différences entre les élèves. aumentan las diferencias entre los alumnos. C'est-à-dire creuse les écarts et les inégalités. Es decir que aumentan las diferencias y las desigualdades. Et si on veut une école véritablement inclusive, y... il vaut donc mieux, bien sûr pratiquer les groupes de que les groupes de niveau. Y si queremos una escuela verdaderamente inclusiva, vale más practicar por supuesto los grupos de necesidades y no los grupos de niveles. Alors, je vais m'arrêter là pour cette entrée institutionnelle et bueno, voy a aquí con esta développer maintenant le point de vue plus pédagogique. Desarrollar, desarrollar vista más le point de vue pédagogique renvoie à l'analyse des éléments qui, dans l'école, peuvent contribuer à créer de l'égalité dans la relation pédagogique elle-même. Este, estos elementos tienen que ver con todo lo que puede crear, eh, pardon, monsieur, de dans crear la igualdad en la relación, en la propia relación pedagógica. Un de los puntos más importantes sobre los cuales los sociólogos han insistido desde hace tiempo. La question de l'utilisation de la langue. Es el empleo de la lengua. Nous savons que les enfants les plus défavorisés uh, vivent dans un environnement familial et social, viven en un entorno y social où est utilisé ce que l'on appelle le code restreint. En ce que llamamos le restringido. Le code restreint, c'est un usage du langage. El código restringido es uso del lenguaje. Où l'on désigne des objets. En donde se designa, se nombra objetos. Et où l'on donne des ordres. Y en donde se dan órdenes. Il n'y a pas d'accès à l'abstraction. No hay acceso a lo abstracto. Eh, on désignera un objet qu'il faut utiliser pour son usage. Se puede designar un objeto. Ou on donnera un ordre sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Una orden sobre lo que hay que hacer, no hacer. Le code élaboré. El código elaborado. En revanche. El est un code dans lequel l'enfant va être amené à opérer une démarche que l'on appelle inductive. Es un código que por el contrario va llevar al alumno a realizar Una, eh, un tramite C'est-à-dire qu'il va être amené à regrouper un certain nombre de faits et dire qu'il va être llevado a reagrupar un cierto número de hechos Pour accéder à des notions et à des concepts. Para acceder a nociones y a conceptos. Quand ils arrivent à l'école Les enfants ont une très grande inégalité linguistique. Los niños tienen una gran desigualdad lingüística. Cette inégalité linguistique est marquée par les différences de maîtrise du vocabulaire. Mais elle est surtout marquée par le fait que certains élèves restent dans un usage restreint de la langue, Pero está alors que d'autres ont déjà accès au langage élaboré. Mientras que d'autres un lenguaje elaborado. Alors si l'enseignant ne parle que pour les élèves qui ont déjà accès au langage élaboré, entonces si el docente solo habla para los alumnos que ya tienen acceso al lenguaje elaborado, il ne favorise évidemment pas l'inclusion. No favorece la inclusión evidentemente. Et il euh, sépare dans la classe ceux qui peuvent comprendre de ceux qui ne comprendront pas. Y separa en la clase a los que pueden comprender de los que no van a comprender. Cela veut dire que Dès les petites classes, esto quiere dire que de las classes más chicas, uh, si l'on veut une pédagogie inclusive, si queremos une pédagogie inclusive, il faut travailler sur la construction des concepts. Es nécessaire trabajar en la construction de concepts. C'est-à-dire travailler sur la démarche inductive et le passage à l'abstraction. Et pas supposer que les élèves savent déjà faire cela. Et ce point est tout à fait déterminant pour leur réussite future. Et point est déterminant son éxito futur. Nous pourrions parler très longuement de cette question du langage, parce qu'elle est absolument déterminante dans l'école inclusive. C'est del del la, euh, la raison pour laquelle j'insiste tant dans la formation des enseignants sur la maîtrise du langage oral et du langage écrit. Y esta es la razón por la cual yo insisto tanto en la formación de los docentes sobre el dominio del lenguaje oral y del lenguaje escrito. Et sur la capacité à s'exprimer d'une manière claire, précise. Y es la capacidad para expresarse en forma clara y precisa. Et que peuvent entendre tous les enfants. Et que tous les élèves puissent comprendre. Les sociologues ont très largement montré les effets négatifs de cette complicité culturelle que le maître entretient avec les élèves qui ont les mêmes origines et les mêmes euh, pratiques linguistiques que lui. Les sociologues ont parlé de cette espèce de complicité culturelle. que hay entre los docentes y los alumnos que tienen los mismos orígenes y que tienen la misma escultura escolar que el docente Et, eh, on, on sait aujourd'hui à quel point cette forme de culturelle... hoy sabemos hasta qué punto esta forma de complicidad cultural créer des ségrégations Certains vont comprendre à demi-mot ce qu'on leur dit. Algunos van a comprender con medias palabras lo que se les dice. Et d'autres vont se sentir exclus parce que Y otros van a sentirse excluidos. Le langage du maître ne s'adresse pas à eux. Porque el lenguaje del docente no se dirige a ellos. Et euh Jamais la formation des enseignants sur ce point n'est suffisamment importante. Et la formation de los docentes sobre ese tema nunca es lo suficientemente importante. M Moi, j'ai beaucoup travaillé dans ce domaine. Yo trabajé mucho en ese campo. En demandant à ce que les enseignants se visitent réciproquement dans leurs classe, hein. classes, y compris dans l'enseignement secondaire, en, en demandant que des enseignants d'une autre discipline viennent assister à des cours d'une discipline qui n'est pas la leur. Incluso en l'enseignance secondaire, pidiendo que docentes de otra disciplina assistent a clases de una disciplina que no es la suya. Et puis qu'il puisse ensuite dire aux collègues, là, je n'ai pas compris. Ou qu'ils puissent expliquer aux collègues que telle formule, elle n'était pas suffisamment claire pour être comprise de la totalité des enfants. Ou qu'ils puissent dire à son collègues que telle formule n'était no pas suffisamment claire pour être comprise par tous les enfants. Au-delà de cette question du rapport au langage, de de la lenguaje, euh, les travaux euh, universitaires insistent beaucoup aujourd'hui sur ce que l'on appelle le rapport au savoir. Les travaux universitaires insistent beaucoup actuellement sur ce que nous appelons la relation avec les savoirs. Le rapport au savoir n'est pas le même selon l'origine sociale des élèves. La relation avec le savoir n'est no pas la même selon l'origine des élèves. Les élèves des milieux sociaux défavorisés, dont le langage est restreint, est ont un rapport au savoir qui est un rapport à la tâche. Ils ont une relation avec le savoir et le connaissance qui est une relation avec la tâche. C'est-à-dire que si on leur demande un exercice, de decir, faire un exercice, que si se les pide que hagan un ils feront l'exercice. Euh, éventuellement ils le copieront sur un collègue, euh, sur un camarade. Ou ils iront chercher les résultats sur internet. A buscar los resultados en internet. Euh, ou bien euh, ils le feront en utilisant la divination. O lo harán utilizando las adivinanzas. Mais sans chercher nécessairement à comprendre Sin buscar nécessairement comprender le mécanisme intellectuel qui est à l'œuvre dans l'exercice. El mecanismo intelectual que se implementa haciendo el ejercicio. Eh, il y a un malentendu assez général entre les enseignants et les enfants des milieux populaires. Hay un malentendido bastante general entre los docentes y los niños de los medios populares. Les enseignants croient que les enfants ont compris qu'il fallait comprendre. Los docentes creen que los niños han comprendido que era necesario comprender. Mais les enfants des milieux populaires n'ont pas du tout compris qu'il fallait comprendre. Pero los niños de los medios populares no comprendieron en absoluto que era necesario comprender. Hein? J'étais récemment avec une classe. D'élèves de 7 à 8 ans. De Qui était une classe qui comprenait des enfants de différentes origines sociales. de sociales. Nous sommes allés visiter un musée avec ces élèves. Fuimos Et au retour de la visite du musée, la vuelta de la nous avons demandé aux élèves qu'est-ce qui s'est passé pendant la visite du musée. Les élèves des milieux défavorisés ont raconté qu'ils avaient bien couru dans les couloirs. Les élèves des milieux défavorisés ont qu'ils avaient couru beaucoup dans les Qu'ils ont vu un gardien avec une jolie casquette. Qu'ils euh, euh, ont imprimé une pièce de souvenir. Euh, que habían impreso un recuerdo, mais ils n'ont absolument pas parlé de ce qu'ils avaient appris dans la visite no de lo la visite au musée. Eh, pour les faire accéder à ce qu'ils ont appris, il faut passer à un, une autre interrogation. Para interrogation. Il faut que ces élèves ne se demandent pas simplement ce qu'ils ont fait. Es necesario que sus alumnos no se que hicieron, il faut qu'ils se demandent ce qu'ils ont appris de nouveau sino que se preguntent ont appris de nouveau c'est la raison pour laquelle avec les écoles que je suis et avec qui je travaille y esa es la laquelle, en en que trabajo, nous demandons à tous les enseignants après chaque séquence d'apprentissage, les pedimos, después de cada secuencia de aprendizaje de poser deux questions aux enfants. ¿Qué planté dos preguntas a los niños? Qu'est-ce que nous avons fait? Que hicimos? Et qu'est-ce que tu as appris? ¿Y qué aprendiste? Qu'est-ce que tu as appris que tu ne savais pas? ¿Qué aprendiste que no sabías? Et ce qui a été appris est inscrit dans un cahier. Y con lo que se aprendió se escribe en un cuaderno qui est le cahier des découvertes hein, el de los descubrimientos qui est rempli plusieurs fois par jour et qui se varias veces al día et qui est relu régulièrement par les élèves et par le professeur pour réviser ce qu'ils ont appris et que' ido régulièrement par les alumnos et les docentes pour revisar ce ont aprendieron. Et ça, c'est un élément extrêmement important de justice sociale dans l'école. c'est es un C'est le fait de faire exprimer à l'enfant ce qu'il apprend. de faire exprimer à l'enfant ce qu'il comprend. Es que exprese lo que comprende, et pas simplement de se contenter de lui faire faire un exercice que l'on va noter plus ou moins bien. Y no contentarse con hacerle hacer un ejercicio que va a tener una nota más o menos buena. Le rapport au langage, la le rapport con au le savoir, linguage, la relación con los conocimientos. Le rapport à l'évaluation. La relación con la evaluación. La plupart des enfants ont en difficulté. La mayoría de los niños tienen dificultades. Quand ils ont un problème pour faire un travail, Cuando tienen problema para realizar un trabajo, ils trouvent tout à fait naturel de bâcler leur travail encuentran natural dejarlo de lado, et ils se disent simplement qu'ils auront une mauvaise note. C'est la pédagogie bancaire de Paolo Frère. C'est la pédagogie bancaria de Paulo Freire. C'est-à-dire, on, on travaille pour échanger son travail contre, contre une note. Se travaille pour intercambiar son travail contre une note. Et la note est vue comme une manière de payer l'élève pour son travail. Et la note est concevée comme une forme de pagar à l'alumno pour son travail. Si son travail ne vaut pas grand-chose, il ne sera pas payé beaucoup. Si son travail ne vaut pas beaucoup, il ne sera pas payé beaucoup. Et l'élève en difficulté, il considère que c'est juste. Et l'alumno qui a des difficultés considère que c'est es juste. Alors parfois il proteste pour le principe, mais. Donc à veces proteste pour le simple principe de protestar. Mais il comprend qu'il a bâclé son travail, il a une mauvaise note et que c'est le fonctionnement naturel de l'école. Mais il comprend que non hizo bien le travail et qu'il a mala note et es que c'est le fonctionnement normal de l'école. Mais il comprend que non hizo le travail et qu'il a une mala note et que c'est le fonctionnement normal de l'école. Il faut changer ce rapport à l'évaluation si on veut que tous les élèves progressent. Il est nécessaire de changer cette relation avec l'évaluation si queremos que tous les alumnos progressent. Et changer ce rapport à l'évaluation, c'est permettre à l'enfant de refaire un travail qui a été bâclé ou qui a été mal fait pour améliorer sa performance. Et changer cette relation, c'est permettre à l'élève de un travail qui a été mal fait. Para Le refaire un travail, retravailler, reprendre, réélaborer une tâche, retomber, une tâche, à partir de l'évaluation qui aura été donnée par l'enseignant, à partir de l'évaluation dada por el docente, pour permettre à chaque élève de se dépasser et d'améliorer ses résultats, para permitirle a cada alumno que vaya más adelante y mejore sus resultados. Et nous avons là un élément aussi très important de justice et d'égalité. Il y a un élément très important de justice et d'égalité. Parce que c'est par ce travail sur l'évaluation que l'on fait intégrer à l'élève l'exigence du maître. Parce que c'est par ce travail d'évaluation que l'élève peut intégrer l'exigence du maître. L'exigence du maître, il doit la faire sienne. Es tiene que convertirse en la suya. Donc il doit comprendre les défauts de son travail. Tiene que comprender los defectos de su trabajo. Et comprendre comment il peut améliorer son résultat. Y comprender cómo puede mejorar sus resultados. Et il doit voir que le résultat peut être amélioré. Tiene que ver que el resultado puede ser mejorado. Il doit voir que le résultat peut être excellent si il Les efforts suffisants pour y arriver. Tiene que ver que el resultado puede ser excelente si él realiza los esfuerzos suficientes para llegar a eso. Uh, cela est vrai pour tous les de y esto es cierto en todos los niveles de la educación escolar. c'est la raison pour laquelle je dis souvent et la raison pour laquelle digo a menudo que le niveau d'exigence ne doit jamais être relatif au niveau taxonomique c'est à dire que sur toutes les tâches même les tâches de bas niveau taxonomique es decir,

Je vais poursuivre et terminer ces réflexions à caractère pédagogique par estas de caractère sur le rapport à l'apprentissage lui-même. La, la relation à l'apprentissage est complexe. La, re la relation l'apprentissage est On dit souvent que tous les enfants sont spontanément curieux. A menudo se dice que todos los niños son curiosos en forma espontánea. C'est vrai, sans cierto, aucun doute. Duda, les neurosciences nous montrent que tous les enfants ont un grand potentiel. Les neurosciences nous montrent que todos los niños tienen un gran potencial. Et une, des possibilités considérables en matière de curiosité. Y posibilidades, posibilidades considerables en materia de curiosidad. Mais le désir de savoir ne veut pas dire qu'on a le désir d'apprendre. Pero tener el deseo de saber no quiere decir que se tenga el deseo de aprender. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants veulent savoir sans apprendre. Savoir sans apprendre. Eh, parce que tous les progrès technologiques que nous mettons à disposition, euh, enfants, que à disposition de nos concitoyens et de nos enfants permettent de savoir sans apprendre. Permiten savoir sans apprendre. Moi, quand j'étais très jeune, quand je pour faire une photographie qui était nette, il fallait que je fasse de la trigonométrie et de la géométrie. Que y géométria. Il fallait que je calcule le rapport entre la profondeur de champ et le diaphragme. Tenia que calcular la entre la profondeur du champ et le euh, diaphragme. Je devais faire des mathématiques pour faire une photo nette. Tenía que utilizar matemáticas también para tener una foto clara. Mais aujourd'hui avec n'importe quel téléphone, vous faites une photo très nette sans hoy, avoir besoin de rien calculer. Con cualquier teléfono ustedes pueden sacar una foto bien clara sin necesidad de calcular nada. Eh, parce que tous les progrès techniques que nos enfants ont à leur disposition leur donnent le sentiment qu'ils n'ont pas besoin d'apprendre les dan el sentimiento de que no tienen necesidad de aprender. que la, les machines vont apprendre à leur place et que il suffit d'appuyer sur un bouton y basta c'est la même chose quand ils recherchent Quelque chose sur un moteur de recherche sur Internet. Internet. Euh, J'espère que aucun d'entre vous, ni aucun de vos élèves n'utilise Google, bien sûr. J'espère que ninguno de vous, y ninguno de vos élèves n'utilise Google, bien hein? sûr. Puisque Google, vous le savez, c'est d'abord une entreprise qui... Euh, vendent vos données personnelles et les données personnelles pour faire de la publicité. Hein? O sea Google, comme vous le savez, est en premier lieu une entreprise qui vende ses données personnelles pour faire de la publicité. Et, et quand euh, vous tapez sur un moteur de recherche comme Google un mot, et quand vous écrivez en un moteur de recherche comme Google une palabra euh, l'enfant il peut avoir le sentiment que le moteur de recherche lui donne la réponse à sa question. El niño puede sentir que ese motor de búsqueda le está dando la respuesta a su pregunta. Mais le moteur de recherche ne classe jamais les réponses en fonction de leur degré de vérité. Pero las respuestas nunca están clasificadas en función de su grado de verdad. Et elles classent les réponses en fonction de leur attractivité. Y clasifican las respuestas en función de, de su atracción. Et euh, elle donne le sentiment à l'enfant qu'il a la réponse alors qu'il n'a pas la réponse. Niño siente que tiene en no la. Tiene. Euh, en France, nous avons vécu, vous le savez sans doute, euh, des situations assez dramatiques avec des attentats extrêmement violents. En eh, ces attentats s'effectuent dans la mouvance de ce qu'on appelle l'intégrisme islamiste. attentats se realizaron en le movimiento de islamiste. Et, Et ce integrisme. mouvement développe ce que nous appelons des théories du complot. Et ce mouvement développe ce que nous appelons des théories du complot. Ces théories du complot ont un grand succès chez les jeunes. Ces théories ont un grand succès chez les jeunes

Il y a les bons et les méchants. Están los buenos y los malos. Euh il y a euh, ceux qui ont fabriqué de l'information pour nous tromper et Están los que fabricaron información para engañarnos. Et puis il y a la vérité qui est euh, ce que nous apprenons et ce que nous avons enfin compris. También está la verdad, que es lo que nosotros tenemos y lo que por fin comprendimos. Et

Ces théories complotistes peuvent raconter que, par exemple, le 11 septembre n'a jamais existé. Euh, decir que, por ejemplo, el 11 de nunca existió, Ou que c'est une euh, fabrication de la CIA. Euh, ou que c'est fue fabricado por la CIA. Ou que les hommes ne sont jamais allés sur la Lune, que c'est dans oh, un studio de télévision. Que los hombres nunca llegaron a la luna, que se hizo en un studio de télévision. Ou que la Terre est creuse et qu'il y a des bombes atomiques à l'intérieur. Ou oh, que la Terre est vacille et qu'il y a des bombes atomiques dentro de la Terre. Euh, ou toute une série d'autres choses. Ou que les pyramides ont été construites par des Martiens. Ou oh, euh. que les pyramides été construites par marcianos. Et il y a des grandes théories comme ça qui circulent. Il y a grandes théories qui circulent ainsi. Et, et les enfants sont d'une grande crédulité à l'égard de et ces théories. Parce que ces théories leur donnent le sentiment de savoir. Les dan el de saber et de savoir sans avoir à chercher la vérité. Et de savoir sans avoir à chercher la vérité. Parce que la vérité, on ne l'a jamais complètement. Parce que la vérité. Nunca la, tenemos completamente. la recherche de la vérité, c'est une démarche qui n'est jamais finie. La búsqueda de la verdad es algo que nunca termina. La recherche de la vérité, c'est un travail qui va traquer les zones d'ombre, les incertitudes, les contradictions. La búsqueda de la verdad es algo que se va a chocar contra las eh, zonas oscuras contra los contradictions. Et, et cela euh, nécessite du temps, nécessite de l'effort, nécessite y de l'énergie. Et beaucoup d'enfants préfèrent euh, avoir des certitudes tout de suite muchos niños prefieren tener certezas ya plutôt que de faire des efforts dans la durée. Más que realizar esfuerzos a largo plazo. Et on voit bien là que ce qui va déterminer la réussite scolaire, c'est la capacité pour l'enfant de passer. Es la del niño de d'un état où il veut des certitudes. De un en el que certezas, des certitudes définitives. qu'il n'a pas besoin d'interroger. qui no tiene necesidad de et de passer de cet état-là à un état de recherche de la vérité, à un état de de la vérité, un, un état de confrontation, un, 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 de e confrontation, un état d'expérimentation, de un état dans lequel c'est la démarche intellectuelle qui compte et non pas a la possession estado, de la certitude. A un est la que cuenta et non la possession de la certeza. Eh, les humains qui ont des certitudes absolues. Los humanos, los seres humanos que tienen certezas absolutas. Ne vont plus jamais chercher la vérité. Nunca van a buscar la verdad. Eh, les certitudes sont toujours ce qui fait obstacle à la recherche de la vérité. Les certitudes sont siempre un obstáculo para la búsqueda de la verdad mais les certitudes sont simples. mais les sont les certitudes donnent des choses. Que l'on peut considérer comme des évidences. Nos dan cosas que podemos considerar como evidencias. Par exemple, en face d'un problème, elle désigne un bouc émissaire qui a toutes les responsabilités. Por ejemplo, frente a un problema, nombran a un chivo emisario que tiene todas las responsabilidades. Et on voit bien que c'est ainsi que on peut gouverner d'une manière très démagogique dans un certain nombre de pays et obtenir le pouvoir. Y vemos que así se puede gobernar en forma bastante demagógica en muchos países y obtener el poder. On, on donne des certitudes faciles aux gens C'est les incertezas fáciles a las personas Et à partir de là on, on crée des mouvements populaires Y a partir de ahí se crean movimientos populares qui n'ont rien à voir avec des mouvements citoyens Que no tiene nada que ver con los movimientos ciudadanos Et nous voyons bien que le rôle de l'école là est essentiel y Nosotros vemos entonces que la función el papel de la escuela y es esencial Et l'école doit donner à l'enfant le goût de la recherche de la vérité La escuela tiene que darle al niño tiene que despertar en el niño el gusto por la búsqueda de la verdad Et ce goût de la recherche de la vérité l'école peut le donner à travers ses méthodes pédagogiques Y eso se lo puede dar a través de sus métodos pedagógicos parce qu'elle met en place des méthodes expérimentales où on va chercher la vérité. Implementa experimentales en los cuales se va buscar la verdad. Mais aussi parce que on témoigne nous-mêmes dans notre comportement d'enseignant. Pero también que nosotros, en notre comportamiento comme docentes, sommes testimonio. On est les témoins de du plaisir qu'il y a à chercher la vérité. Del placer que sentimos buscando la verdad et non pas du plaisir qu'il y a à imposer la vérité, y no del que se siente en la le, le témoignage de l'adulte qui cherche devant et avec ses élèves, le témoignage de l'adulte qui cherche devant et avec ses élèves, qui cherche comment expliquer, qui cherche comment rendre plus clair. Qui busca cómo explicar, cómo hacer las cosas más claras. Qui cherche quelles sont les objections que l'on peut donner à son point de vue. Qui busca cuáles son las objeciones que se les puede que se puede dar a su punto de vista. Ce, cet adulte qui a un rapport vivant au savoir et non pas un rapport mort au savoir. Ese adulto que tiene una relación viva con el saber y no una relación muerta. Et il donne à l'élève le sentiment qu'il y a du plaisir à comprendre. Le da al alumno el sentimiento de que tiene placer en comprender. Qu'il y a du plaisir à chercher. Que hay placer en buscar. Et que ce plaisir, il peut l'éprouver aussi. Y que ese placer puede ser sentido también por el niño. Alors vous voyez, et je pourrais développer cela bien sûr plus longuement que. Podría desarrollar esto mucho más. Eh, Durant beaucoup temps, que pero, la relation pédagogique peut être au service de l'inclusion et de l'égalité. Como ven, la relación pedagógica puede estar al servicio de la inclusión y de la igualdad. Ou bien peut laisser se développer les inégalités dans l'école. O puede dejar que las desigualdades se desarrollen en la escuela. Je vais aborder un dernier chapitre de ces quelques réflexions sur la construction de l'égalité à l'école. Et ce sont des perspectives qui concernent le rapport entre l'école et les familles. Nous savons aujourd'hui que. Ces relations sont devenues difficiles. Hoy que estas se han difficiles. Elles sont difficiles pour toute une série de raisons extrêmement complexes. D'abord eh, parce qu'il y a une perte de confiance générale l'égard de toutes les institutions en premier lieu, pour qu'il una pérdida de confiance générale con respecto à todas las institutions c'est vrai pour la médecine c'est vrai pour la justice c'est vrai pour l'école est certe l' Esto es en el área de la médecine la justicia et l escuela parce que dans toutes ces institutions pour todas ces institutions les les, nous ne voulons plus que nous soyons traités simplement comme des personnes. Nosotros no queremos que nos traten simplemente como personas. Nous voulons être traités comme des exceptions. C'est-à-dire, nous voulons pouvoir déroger à la règle générale. C'est-à-dire, nous voulons pouvoir déroger la règle générale au nom du fait que nos problèmes sont plus importants que ceux des autres. Pour le fait de que nos problèmes sont plus importants que ceux des autres. Et, et les parents avec leurs enfants, ils sont ainsi. Et los padres con sus niños actúan así. Même les enseignants avec leurs propres enfants. Incluso los docentes con sus propios hijos. Euh, ils considèrent que leurs enfants sont des exceptions. Consideran que sus hijos son excepciones. Et qu'ils doivent avoir un traitement particulier, un traitement exceptionnel. Y que merecen un tratamiento particular exceptionnel. Et, et donc, s'ils n'ont pas le sentiment qu'ils ont un traitement particulier exceptionnel, ils vont protester. Et pour le si no un exceptionnel, ils vont protester. C'est un phénomène qui existe dans tous les pays. Je ne sais pas s'il existe en Uruguay, mais j'ai vu existait en Argentine. En je ne no sé si acá en Uruguay, mais en Argentine. Euh, qui va jusqu'à la judiciarisation un certain nombre de situations scolaires à la judicialisation d'un certain nombre de situations scolaires. Hein? Euh, il y a là une évolution extraordinairement rapide des comportements a une évolution rapide de los comportamientos de la euh, conduct pour ma part quand je suis entré à l'école il y a plus de 60 ans j à de 60 ans, euh, mes parents m'ont installé en classe comme aujourd'hui je m'installe dans un avion. Mis padres me instalaron en la clase como hoy yo me instalo en un avión. C'est-à-dire qu'ils ont serré ma ceinture de sécurité. Dijer decir que apretaron mi cinturón de seguridad. Mais jamais mon père et ma mère n'auraient eu l'idée d'aller protester contre le pilote. Pero mi padre y mi madre nunca se hubieran animado a ir a protestarle al piloto. Euh, Aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Hein. Hoy, no sucede eso. Eh, les parents vont toquer à la cabine de pilotage en permanence. Les padres vont a golpear en la cabine du pilote siempre. Pour dire que là, il faut mettre les gaz, que là, il faut virer à gauche, que là, il faut virer Para à droite, etc. Que la méthode n'est pas bonne, que El les sanctions no bueno, sont trop importantes, etc. Que les sanctions sont trop importantes, etc. Et ces rapports avec les familles sont évidemment très différents selon l'origine sociale de ces familles. Y ces relaciones con las familias sont différentes, evidentemente, de acuerdo a la situation sociale de cada famille. Eh, les familles privilégiées, la vont agir de la même manière que les familles non privilégiées, van de la misma manera que las familias no privilegiadas, mais elles vont agir de telle manière d'être parfaitement acceptés dans leur comportement alors que les familles qui ne sont pas privilégiées Mientras que las familias que no son privilegiadas, euh, vont avoir les mêmes réflexes van mais, a tener los mismos reflejos, mais ils n'auront pas ni la culture ni les connaissances pero pour, euh, tendrán la cultura ni los conocimientos pour euh, agir d'une manière qui ne soit pas agressive para actuar en forma que no sea donc euh, eux ils vont agresser les enseignants parfois. Por lo tanto ellos van a agredir a los docentes a y, veces. ils vont se mettre en colère, ils vont crier et Bale enojar se van a gritar. Et nous allons avoir des tensions qui vont se développer. Y habrá tensiones que se desarrollarán. En réalité, toutes les familles agissent selon le même principe. En realidad, todas las de acuerdo al mismo principio. Mais certaines ont la culture qui leur permet d'agir comme les professeurs. Pero algunos tienen cultura que les permite de actuar como los profesores. Et d'autres n'ont pas cette culture et donc euh, sont considérés comme des euh, gens qui euh, vont sont être violents contre l'école. Et ne no tienen esa cultura y entonces son considerados comme personas violentas contre la escuela. Mm. ma conviction c'est qu'on ne peut pas construire une école inclusive sans refonder les relations entre l'école et les familles. Et je suis convencido de que ne no se puede construire une escuela inclusiva sin volver à fundar les relations entre la escuela et la familia. Et Refonder les relations entre l'école et la famille et retrouver la confiance entre l'école et la famille. Et encontrar la confiance entre l'école et la, la famille. Et il n'y a pas des millions de manières pour retrouver la confiance. Il hein? n'y no millions de de cette confiance. Il faut se Nuevamente. rencontrer. Hay que il faut se connaître. Hay que il faut savoir ce que chacun fait et quel ah. est le travail de chacun. Il faut savoir ce que chacun fait et quel est le travail de chacun. Uh, les familles des milieux en difficulté. la familias de los medios en dificultad. Elles ont peur de l'école. Tienen miedo de la escuela. Elles ne no savent pas ce qui se passe dans l'école. No saben lo que sucede en la escuela. Et nous avons besoin de leur expliquer ce qui se fait, ce qui se passe dans l'école. Y debemos explicarles lo que sucede, lo que pasa en la escuela. Dans un travail que j'ai mené en France depuis 20 ans maintenant. En un trabajo que he realizado en Francia desde hace 20 años ahora. Nous accueillons les parents des élèves dans les classes. Nosotros recibimos a los padres de los alumnos en las clases. Par groupes de trois ou quatre. Por grupos de 3 o quatre, Une demi-journée par semaine. Media jornada por semana. À condition qu'ils soient silencieux. Con la condición de que permanezcan en silencio. Qu'ils n'interviennent pas, qu'ils no qu regardent ce qui se passe, qu'ils observent ce qui et après ils discutent avec l'enseignant de ce qu'ils ont vu. Y luego con el docente lo que vieron. Et l'enseignant explique ce qu'il a fait et pourquoi il l'a fait. Et et pourquoi il je ne suis pas certain que ceci puisse être utilisé partout et tout le temps. Mais je suis convaincu que il nous faut améliorer les relations avec les familles. qu'il Qu y ait un meilleur accueil des familles que les mm, familias sean mieux recibidas qu'il y ait une meilleure information des familles que mejor information. et aussi une meilleure responsabilisation des familles et que también haya y ait une meilleure responsabilisation des familles nous n'avons pas à accepter que des familles viennent critiquer notre enseignement. No tenemos que aceptar que vengan familias a criticar nuestra enseñanza Si la famille n'est pas capable de réguler euh, l'usage des écrans pour son enfant. Si la familia no es capaz de regular el uso de pantallas para sus niños. Euh, si la famille ne garantit pas que l'enfant dort suffisamment si pour pouvoir être en bonne santé. Si no garantiza que el niño duerma lo suficiente para tener buena salud. Mais ça, il faut pouvoir en discuter. il faut pouvoir Il faut pouvoir dire, moi, ma responsabilité, c'est d'enseigner les mathématiques. Il faut pouvoir dire, bueno, ma responsabilité, c'est d'enseigner les mathématiques. Mais votre responsabilité... responsabilité... C'est qu'il ne passent pas 10 heures par jour devant les écrans quand ils sont no pas à l'école. C'est qu'ils ne passent pas dix heures par jour devant de la planche quand ils ne no sont pas à l'école. C'est que quand vous prenez le repas en famille, on laisse le téléphone de côté. c'est ah. que quand on mange en famille, Dejen le téléphone de lado. Que quand il regarde la télévision, vous en parlez avec lui pour savoir ce qu'il a regardé. Quand ils regardent la télévision, vous pouvez parler avec eux pour savoir ce qu'ils viront. Et chacun va être éducateur euh, de l'enfant. Un Et chacun va être éducateur niño. Je pense que nous avons besoin de faire connaître notre travail, mais aussi de. Creo que necesitamos hacer conocer nuestro trabajo, pero también. aussi de dire aux parents que nous avons besoin d'eux. Necesitamos decirles a los padres que tenemos necesidad de ellos. Que nous n'avons pas besoin d'eux pour qu'ils se transforment en maîtres eux-mêmes. Que no tenemos necesidad de ellos para que se transformen en maestros. Euh, nous n'avons pas besoin d'eux parce que. Nous ne donnons plus de travail à la maison. Nous ne de ellos parce que nous donnons plus de travail trabajo para la maison. Parce que si nous donnons du travail à la maison, bien évidemment, nous renvoyons à l'inégalité sociale. Hein? Parce que si nous donnons des devoirs, bien sûr, nous appelons une à la desigualdad sociale. Une école inclusive ne peut pas renvoyer le travail à la maison. Une école inclusive no ne peut pas envoyer le travail à la maison. Une école inclusive doit faire faire le travail en classe. Une escuela inclusiva tiene que hacer que el trabajo se haga en la clase. Et avec le professeur. Y con el profesor. Donc le, les parents sont libérés de ça. Los están de eso. Mais ils ont un travail de parents à faire de leur côté. Pero un, un, un de que hacer por su lado. Il faut qu'ils prennent le temps de parler avec leurs enfants. Es que tomen su para hablar con los niños. Il faut qu'ils prennent le temps de faire des choses avec leurs enfants. Que hagan cosas con sus niños. Et il faut qu'ils contrôlent ce que leurs enfants font sur Internet. Il es necesario que controlen lo que sus hijos hacen en Internet. Euh, Qui contrôlent le temps qu'ils passent sur leur téléphone cellulaire. Que controlen el tiempo que pasan con su teléfono celular. Et nous avons besoin d'être des alliés avec les parents pour la réussite des enfants. Y nosotros necesitamos ser aliados de los padres para el éxito de los niños. Euh, il faut remplacer la suspicion par l'alliance. la, por la euh, Plutôt que de se suspecter chacun de ne pas bien faire son travail. Mas que, cada uno que no hace bien su trabajo, Nous avons besoin de dire moi, je fais mon travail, chacun fait son travail, chacun doit faire son travail. je fais mon travail, chacun fait son travail. Et l'école inclusi inclusive ne pourra pas fonctionner si on ne mobilise pas les parents pour la faire réussir. Et l'école inclusive inclusiva no pourra fonctionner si on no se mobilise a los padres para que la escuela tenga éxito. Alors, une chose me, me fait plaisir de ce que j'ai découvert ici dans votre pays. De lo que descubría acá en en Uruguay hay algo que me da placer. C'est que il y a deux sujets qui paraît-il sont beaucoup discutés dans les médias. Il y a deux thèmes qui paraissent que sont très discutés dans les médias. Qui sont la sécurité et l'éducation. Qui sont la sécurité et l'éducation. Alors, c'est très bien que. On parle d'éducation. bien que se hable Mais à condition qu'on dise très clairement que l'éducation, c'est l'affaire de tous. Pero que se diga que la educación es de todos. Et que chacun doit être éducateur à sa place. Y que cada uno debe ser desde su lugar. Et cette collaboration avec les familles, c'est un travail à la fois personnel du professeur et cette collaboration avec les familles est un travail à la fois personnel du professeur c'est un travail de l'école un travail de l'école mais c'est un travail citoyen c'est un travail, citoyen, un travail du pays un travail du citoyen del pays uh, pour que les relations entre les familles et l'école soient des relations de confiance et d'exigence réciproque para que las relaciones entre la familia y la escuela sean relaciones de confianza y de exigencia recíproca je, je ne vais pas développer beaucoup d'autres points, puisque l'heure tourne. Mais je voudrais terminer en vous disant que, Pero quisiera terminar diciéndoles que il n'y a pas de recette miracle, bien sûr, pour une école de l'égalité et une école inclusive. Pour une école de la et une école inclusive, il n'y no a pas de recette miracle. En tout cas, il n'y a pas une formule qui, quand elle serait trouvée, pourrait résoudre miraculeusement tous les problèmes. No hay une fórmula qui, une vez encontrada pudiera resolver milagrosamente todos los problèmes. Euh, L'école inclusive pour réussir a besoin de la mobilisation permanente de ses acteurs. La escuela inclusiva para poder tener éxito necesita la mobilisation permanente de todos sus actores. Euh, il y a une véritable illusion politique, Hay una qui consisterait à penser que une réforme suffirait pour faire l'école inclusive. Que consisterait en pensar que une réforme suffirait pour créer une école inclusive. Mais une réforme ne suffira jamais. pero nunca bastará una reforma. Euh, ce qui fera qu'une école est inclusive réellement, c'est une mobilisation collective. Lo que hará que una escuela sea verdaderamente inclusiva es una movilización colectiva. Et, et une mobilisation dans la durée. y una movilización que se prolongue que que, que no es simplemente de débats electorales que no sea simplemente en el momento de los debates electorales ou de modification o de modificaciones del curriculum o de modificaciones de la 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 de, de la formación de los docentes C'est une mobilisation qui nécessite que les équipes enseignantes, que les formateurs d'enseignants, et es una movilización que necesita que los equipos de docentes, que los formadores de docentes, soient toujours en train de rechercher, estén siempre, comment faire. buscando, investigando cómo hacer. C'est la raison pour laquelle L'école inclusive et c'est es la raison pour laquelle la l'cu inclusive a une exigence fondamentale, c'est que les enseignants soient aussi des chercheurs. Tiienne une exigence fondamentale y est que les docentes también sean investigadores. Et qu'ils soient des chercheurs en pédagogie Et que sean investigadores en pédagoie Et que toute leur carrière ils restent des véritables chercheurs Et que sigan siendo a lo largo de su carrera verdaderos investigadores. Et si les enseignants sont de véritables chercheurs si ils, sont, docentes, si docentes son investigadores, ils sont plus heureux seulement euh, parce que leur vie est plus remplie plus, llena, et elle est plus illuminée par le travail qu'ils font más iluminada el mais elle est aussi plus efficace ils sont plus efficaces pero también ellos son más efficaces. et donc euh, Puisque il y a beaucoup de formateurs d'enseignants dans la salle. Et pour lo tanto, ya que hay muchos formadores de docentes en la sala. Je, je rappellerai ce mot d'un grand philosophe français, Gaston Bachelard. Voy a recordar estas palabras de un gran filósofo francés, Gaston Bachelard. Qui disait, qué decía? Qui ne continue pas d'apprendre est indigne d'enseigner. El que no continúa aprendiendo es indigno de enseñar. Et, qui ne continue pas d'apprendre est indigne d'enseigner, on pourrait dire qui ne continue pas de chercher et comment... Et podríamos decir, el que no sigue buscando cómo... Comment chercher à apprendre et à enseigner... Aprender et enseñar... Est indigne d'enseigner. Es indigno indigne d'enseigner. Un métier comme le métier d'enseignant, c'est une démarche à renouveler sans cesse. Une profession comme la de docente est un recorrido qui se renueva permanentement. Mais évidemment, pour que les enseignants fassent cela d'une manière qui soit euh, efficace. pour hein? que les docentes puedan érer sur un format efficace, eh, il faut qu'ils aient aussi la reconnaissance sociale qui va avec. Es nécessaire qu'ils obtenent le reconocimiento social qui va connaît. Et il y a dans le monde partout, il y le monde en todos lados, un combat pour la reconnaissance sociale des enseignants a un combat en este momento pour el reconocimiento social de los docentes nous avons malheureusement perdu du terrain dans ce domaine lamentablemente perdimos terreno en ese campo. On, on a vu régresser le statut social des enseignants depuis 15 ans. Vimos regresar el estatus social de los docentes desde hace 15 años. Euh, les chercheurs parlent même d'une prolétarisation des enseignants. Los investigadores han llegado a hablar de una proletarización de los docentes. Une prolétarisation en fonction de leur image sociale, de leur salaire, mais aussi de leur conception de leur métier. En fonction de su imagen social, de su salario, pero también de la conception de su profesión. Et d'une profession qui devrait se contenter de faire, de préparer les élèves à l'exécution des tests standardisés de PISA ou de PEARLS. De una eh, profesión que tendría que contentarse con enseñar à los alumnos a contestar une série de standards comme sont los des PISA par exemple eh, je, je dis souvent mais c'est un peu une provocation A menudo digo y esto es eh, provocativo Qu'en 1939 s'il y avait eu les tests PISA Que el, si en 1939 hubiéramos tenido los textos PISA Il est fort probable que l'Allemagne ait été très largement en tête. Es probable que Alemania hubiera ganado. C'est eux qui avaient le meilleur système éducatif. Eran ellos los que tenían el mejor sistema educativo. Mais c'est aussi ce peuple qui a commis les pires barbaries. Pero también fue ese pueblo el que cometió las peores. Et donc euh, nous avons face à cela. à exiger de porter des valeurs. Tenemos que exigir el tener valores. Et non pas simplement d'être des entraîneurs des tests PISA. Et non être simplement entraîneurs de los textos PISA. Nous formons des citoyens pour le futur et nous ne formons pas des compétiteurs pour les tests PISA. Nous formons des citoyens pour le futur et non des compétiteurs pour les textos de PISA. Et ça, c'est un combat de reconnaissance de notre métier que nous devons avoir. Et c'est es un combat de reconnaissance de notre profession que nous devons avoir. Je vais m'arrêter là remercier considérablement ma collègue interprète. <rires> 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 es muy <laughs> Lo que hace es muy difícil. Muy, muy difícil. Pero él es muy amable. Sí, sí, sí. Bueno, Agradecemos mucho al profesor Merier y podemos este, brevemente, porque creo que ya todos este, hemos estado muy concentrados y la hora avanzada, pero podemos inaugurar una instancia de preguntas breves. Este, para no abusar también de la paciencia del profesor. Sí. Este, bueno, no sé... ¿Cuánto tiempo te parece? Sí, 20 minutos, una cosa así, oui. nomás eso, ¿no? El tiempo que tú si hay... Si hay preguntas, si no hay A ver, por favor, este, si tenemos preguntas, el profesor Meride estaría dispuesto a responderlas, y si oui. no, bueno, damos por terminado el, la instancia, ¿sí? Bueno, eh, mi pregunta es, eh, ¿cómo convive el modelo de inclusión educativa con eh, pensar la, la continuidad educativa? Pensando que las instituciones educativas acá piensan la inclusión para que el estudiante pueda continuar estudiando en un sistema formal, se puede incluir al sistema formal. Y ahí hay un corte que para el docente a la hora de evaluar de acreditar un saber se le torna difícil. Para el docente que trabaja desde la inclusión, que conoce el proceso de aprendizaje del estudiante, pero de pronto le es difícil medir los saberes que tiene para insertarte, insertarse en el sistema formal. ¿Cómo conviven esos dos modelos? No, no entiendo bien. Ahí está, sí, eso. sí, sí. sí, sí okay. Como dos modelos de pensar la, la inclusión educativa. ¿Hacia dónde pensamos la inclusión educativa? Inclusión, exacto. Inclusión que el, que el estudiante tenga un proceso de aprendizaje donde circulen saberes o inclusión hacia el modelo formal donde tiene que cumplir con cierta currícula. Cette question est, est très compliquée. Es una pregunta muy eh, et elle est évidemment euh, très différente selon les pays et les curriculums. Eh, en principe, l'inclusion doit concerner... Le curriculum de ce que nous appelons chez nous en Europe la scolarité obligatoire. En principe, l'inclusion tendrait à couvrir ce que, que, que nous appelons en Europe la curricula obligatoria. C'est-à-dire euh, euh, les, les fondamentaux de la citoyenneté. C'est-à-dire ce qui est fondamental pour la citoyenneté. Ce que nul ne doit ignorer. Ce que nul ne doit ignorer pour vivre et se comporter en citoyen responsable. responsable. Ça, ça devrait être le curriculum final de la scolarité obligatoire. Eso que ser la final de una obligatoria. Mais ce curriculum, il est souvent l'objet de compromis. Qui... Es a de et il n'est pas complètement... Adapté à, à ce que l'on attendrait d'un citoyen. No se adapta completamente a lo que nosotros podríamos esperar de un ciudadano. Eh, pour ma part, je, je pense que. Yo creo. À l'exception des enfants qui ont des troubles graves du fonctionnement cognitif ou mental. Que con excepción de los niños que tienen trastornos graves del funcionamiento cognitivo o mental. Nous avons pour objectif d'amener tous les enfants à la maîtrise du curriculum de la scolarité obligatoire. Dominar el, la de la obligatoria. Alors, ça peut paraître très ambitieux. Puede parecer muy ambicioso. Mais je pense que c'est une ambition nécessaire à toute démocratie. C'est une ambition qui est nécessaire au fait que. Nous n'ayons pas des citoyens à plusieurs vitesses. C'est une ambition nécessaire pour que nous n'ayons pas de citoyens avec différentes velocités. Euh, la question du curriculum de fin de scolarité obligatoire ensuite est, est, est complexe. La question du curriculum au final de la eh, scolarité est complexe. Je vais être très provocateur. Je vais être très provocateur. Mais par exemple en mathématiques, Por ejemplo, en mathématiques. Quelles sont les connaissances mathématiques nécessaires pour être un citoyen qui comprend la vie qui se déroule autour de lui Quels sont les connaissances mathématiques nécessaires pour être un citoyen qui la vie qui se desarrolla en autour de lui Globalement, ces connaissances mathématiques s'arrêtent à la proportionnalité. C'est-à-dire, ses connaissances mathématiques peuvent se dans les proportions. Euh, après euh, le théorème de Thalès, on peut vivre sans le théorème de Thalès. de Thales. Euh, La loi de Joule en physique, on peut vivre sans la loi de Joule. Vivir en sin la ley de euh, Et donc, je, je fais partie de ceux qui pensent que on n'a pas réellement revisité les curricula. Et je pense que réellement ne no se han revisado los curriculums en fonction des exigences de ce qu'est être citoyen aujourd'hui. En función de las exigencias de lo que es ser ciudadano hoy. Par exemple, je vais être très provocateur encore une fois mais. Euh, en France, on enseigne le théorème de Thales et les équations du second degré dans la scolarité obligatoire. En France, on enseigne le théorème de Thales et les équations de second grado dans la obligatoire. Mais on n'enseigne absolument pas les principes du droit. Mais les principes du droit. Le droit n'est pas enseigné dans la scolarité obligatoire. Le droit n'est no pas dans de la scolarité obligatoire. Pour être citoyen, il faut quand même avoir un minimum de connaissances en droit. Et sinon, pour être citoyen, il faut que tener un mínimo de conocimientos en derecho. Et il faudra bien se demander un jour s'il est plus important de connaître la constitution ou les équations du second degré pour être citoyen. Il y aura que preguntarse un día si para ser ciudadano es más importante conocer las ecuaciones de second grado que la constitución. Hein? Je, je 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 ne sais pas. Non je sais, le sais. Peut-être qu'il est plus important de connaître les, les, les équations du second degré, mais... À lo mejor, son más importante las ecuaciones. Ah, en tout cas, il me semble qu'il faut revisiter cela. Pero me parece que hay que revisitar, revisar eso. Euh, J'ai été responsable en France de la construction des programmes pendant un certain temps. Durante un tiempo, fui responsable en Francia de la construcción de los programas. Et... Nous étions partis de cette euh, constatation. Et nous partis de une constatation. On va prendre un, un journal quotidien de bon niveau. Vamos va tomar un diario quotidien de bon niveau. Et on va se demander ce qu'il faut que l'enfant sache pour comprendre toutes les rubriques et tous les articles. Y vamos a preguntarnos lo que es necesario que el niño sepa para comprender todos los artículos y todas las secciones. Qu'est-ce qu'il faut qu'il sache pour comprendre la météo? Qué es lo que necesita saber para comprender la, la el estado del tiempo. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils sachent pour comprendre la politique internationale? Que tiene que saber para comprender la política internacional? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils sachent pour comprendre l'économie? Que necesita saber para comprender la economía? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils sachent pour comprendre l'éditorial philosophique? Que necesita saber para comprender la parte editorial filosófica? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils sachent pour comprendre les critiques littéraires sur les livres? Que es necesario que sepa para comprender las críticas literarias sobre los libros? Alors je pense que quand on aura regardé tout ça on, on aura peut être identifié un curriculum citoyen. y créons que quand nous avons observé tout ça, nous aurions pu savoir ce que nous devons avoir pour former un curriculum pour un citoyen. Eh, aujourd'hui dans mon pays on a plutôt un curriculum qui est ce que j'appelle souvent un savoir jivaro. Hoy en France, nous avons une curricula qui est plutôt bien ce que je llamo un, un savoir. Givaro. givaro. Les givaro. Givaro. C'est ceux qui, qui font des oui, oui, têtes. Oui, oui. Euh... Givaro. C'est-à-dire que c'est le, le savoir universitaire. C'est le savoir universitaire qu'on a compressé. Se Et qu'on considère comme étant le savoir nécessaire à enseigner. Et que se le savoir nécessaire que hay enseigner. Alors maintenant, je vais être plus sérieux. <laughs> euh, je pense que vous posez une question très importante qui est... Pienso que esa pregunta es muy importante. Est-ce qu'il faut donner la priorité à la certification? Ou est-ce qu'il faut donner la priorité à l'inclusion Yes, hay que darle prioridad a la certificación o a la inclusión. Je pense que c'est un choix que nous ne devons pas faire. Nous ne devons pas choisir entre ces deux priorités. Creo que entre esas dos prioridades no debemos optar. Eh, mais cela sans doute doit nous amener à changer nos modes de certification. Pero eso tiene que a maneras de certification. Moi, je suis beaucoup plus favorable pour l'école à une certification sous forme de, de crédit ou d'unité capitalisable, comme dans l'enseignement euh, supérieur. Je, en tant

15 brevets obligatoires El alumno tiene que haber pasado 15 licencias obligatorias Et 5 brevets facultatifs Et euh, il faudra l'aider à préparer ces brevets Et les préparer avec des groupes de besoins comme je le disais tout à l'heure et, et non pas Et les groupes de necesidades de los que les hablé. C'est et pas nécessairement toujours avec des classes qui font la même chose en même temps. Et no necesariamente con clases que hacen lo mismo al mismo tiempo. Mais j'ai conscience que c'est une évolution qui n'est pas facile. Et consciente de que une évolution no facile. Et j'ai conscience que les enseignants au quotidien sont confrontés à une vraie difficulté que vous avez très bien exprimée. Et bien sont conscientes de que les docentes dia-à-dia s'enfrontan à difficultés comme la que avez mentionnée. Cette difficulté il faut la s'en saisir collectivement. Esta dificultad il faut travailler en forma Et il faut y travailler ensemble dans l'école. En la escuela en conjunto en, en s'inspirant de ce qui a réussi en pédagogie. Inspirándose en lo que tuvo éxito pedagógico. Mais en s'adaptant aussi aux situations particulières auxquelles on a affaire. Pero adaptándose también a las situaciones particulares. Donc que je tenemos. ne suis pas un médecin miracle. No soy un médico milagroso. Je n'ai pas la solution miracle à votre problème. No tengo la milagro para su problema. Et la seule chose que je peux dire c'est ce que nous disons très souvent à vos élèves. Y lo único que puedo decir es lo que decimos a menudo a nuestros alumnos, Il faut travailler là-dessus. nécessaire necesario trabajar en eso. <laughs> Agradecemos profundamente al profesor Merier y bueno creo que todos nos llevamos cosas para reflexionar y para compartir en nuestras respectivas colectividades, así que bueno muchas gracias. Muchas gracias. Merci beaucoup. Et, et bon courage surtout, parce que l'éducation aujourd'hui, c'est vraiment important et ça nécessite du courage et de l'obstination de la part de tous ceux qui y sont engagés. L'éducation inclusive nécessite la valentia et l'obstination de toutes les personnes qui sont implicées. Donc, beaucoup de courage.